Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la ZNXF. Donc moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay à la Razorback, donc qui est cross, silencieux, tir rapide. Voilà, donc vous allez voir dans le gameplay, il y a eu pas mal de temporisation et de camp. Donc dans le début, je vais pas vous cacher, je me suis fait franchement laminer, on se faisait laminer, il n'y avait pas d'autres mots pour décrire ça. Bon, si je vous aurais mis le son du jeu un petit peu, vous aurez vu pourquoi en même temps je me faisais laminer un peu, vous aurez vu, c'est parce qu'on était avec un gars en fait, il faisait le mongol. Il faisait passer pour quelqu'un qui allait pas bien, puis du coup bah oui, on n'arrivait pas à se concentrer, enfin moi du moins j'arrivais pas à me concentrer, donc j'étais en compagnie de Lilka, qui lui était avec moi dans la game, donc qui m'a aidé un peu, on va dire, à faire mes séries à certains moments, vous allez voir. Donc j'ai joué un petit peu comme une pute sur cette partie-là, je vais pas vous le dire, j'ai vachement campé, d'habitude je campe pas comme ça, mais bon c'est pas grave. Il n'y a pas eu trop de camp sur la globalité, mais il y a eu quand même pas mal de moments où j'ai campé, comme par exemple ici avec la Hive. J'ai vraiment eu un coup de chance parce que les ennemis en face étaient super nuls, vous allez voir. Regardez, je vous laisse admirer, je lance ma dernière up Hive. Là je monte en haut, je vais camper un petit peu, je vais voir que quelqu'un place une tourelle blindée, vous allez voir. Voilà, c'est ici, donc voilà, là je vais essayer de la détruire. Et donc je vais tirer mon premier chargeur et un allié va me baiser la tourelle, donc bon c'est pas grave, je crois que c'était Lika en plus. Hein, je suis pas sûr, regardez, hop, au dernier moment, dès que j'ai fini de recharger, je me fais tourner. Et là regardez, juste après, hop, l'ennemi passe tranquille. Hop, et vous allez voir, je vais enchaîner pas mal de doublettes ou de collates, ça fait super plaisir, regardez, là je manque de tuer un allié. Là il respawn, je manque de tuer, voilà. Après je vais retourner dans le spawn ennemi pour aller chercher un peu les ennemis pour, bah, pour le gameplay, pour éviter que ça fasse un peu pute, que ça se passe toujours. Non c'est pas encore ici, pardon, que j'ai changé de spawn. Là voilà, je tue mon ami Lika, voilà, comme je vous avais dit, je vais manquer de le tuer, bah je l'ai tué. Là je vais descendre en bas, je vais descendre, j'ai eu un coup de chance parce que les mecs en face, à quel point ils sont nuls, regardez, vous allez voir à quel point ils ont été nuls. Ils m'ont passé à deux devant, et voilà, là regardez, bim, deux devant, ils ont rien capté au truc, là l'autre il fait demi-tour, bim, j'ai mis un headshot. Donc j'ai pas compris comment, enfin j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça, bon c'est pas grave. Et là, bah là tout simplement je vais mourir, vous allez voir, tout bêtement. Même pas, pas encore, j'enchaîne encore un kill et là je crois que je vais mourir dans le spawn ennemi, ou alors même pas, je vais continuer de survivre, voilà. Je tue l'épervier, hop, et là je m'arrête. Là je recampe encore. Je redescends. Normalement là je vais mourir, voilà, c'est là. Et là je vais prendre mon colis stratégique, je vais le poser, je vais avoir un rapace. Voilà, attendez. J'attends mon rapace. Voilà, là, je vais récupérer. Donc c'est pareil pour le rapace, c'est exactement la même chose les gars. Je crois qu'en fait c'était un petit peu de la chance que j'ai eu sur cette game là. Parce que vous allez voir, au début je vais me faire laminer avec le rapace, je vais faire aucun kill. Et c'est seulement vers la fin que j'ai commencé à faire un kill. Là je vais taper un premier kill, hop bim. Voilà, déjà là je me rate. Là je tape le kill, voilà. Là je vais essayer de descendre, je vais me faire chour à 20 kills je crois, un kill ou deux, voilà. Là je reviens. Là j'arrive pas à avoir d'ennemis, voilà, j'en ai toujours pas trouvé. On est déjà à un quart du truc du rapace utilisé, donc voilà, ça me faisait un peu le seum. Donc aussi j'apprenais un peu à utiliser les touches parce que vu que j'avais changé mes commandes, bah c'était un peu chaud. Là je vais me faire un ennemi, j'ai eu un coup de chance, regardez à quel point ils étaient nuls. Hop, je passe devant lui, il calcule rien du tout, il se tourne même pas le mec, boum, dans le dos. Voilà, j'ai pas compris les ennemis en fait, j'avais l'impression que c'était des bots limite. Là regardez, je vais y aller, hop, bim, et là je vais commencer à faire du kill, premier kill. Donc je crois que je vais faire une série de 7. Premier kill, voilà. Hop, donc je vais rater, voilà, là je l'ai en headshot. Après il y en a un deuxième qui arrive en haut, il y en a un deuxième en bas, je l'ai, donc je me rate la première fois, voilà. Et là il y en a un quatrième que je vais venir chercher dans son spawn avec un cinquième, donc là le quatrième, hop, bim, le cinquième. Et juste après je meurs, voilà. Après ça commence à être la fin de la game, donc je vais au phare, je me suis fait laminer. Donc là je vais aller voir le mec, je vais passer devant en fait. Et il va me foutre un foudroiement sur la gueule, voilà, vous allez voir, boum. Bim, voilà. Après, je vais repartir et je l'avais pas vu, il était derrière moi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, les gars. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu pour me le faire savoir. Moi, ça me ferait plaisir et je vous en ressortirai peut-être une deuxième. Et allez, peace, les gens.